Bonjour les amis, alors bienvenue sur la chaîne de la voyance, de la bienveillance, de la magie et surtout du respect. Excusez-moi, là je suis un peu perturbée, mais j'ai beaucoup de choses à vous dire avant de commencer la vidéo, qui va être une vidéo un petit peu choc. Je vous explique en deux mots qu'est-ce qui s'est passé. Vous savez que j'adore regarder les émissions aux États-Unis et je suis tombée sur une chaîne qui disait, il n'y en a pas une, après il y en a eu deux autres, donc ils étaient trois chaînes, à dire que le fameux Jeffrey, vous savez, d'accord, j'ai marqué Jeffrey, où est-il? Et ben c'est par rapport à cette histoire, parce que j'ai eu des révélations, pas des révélations, mais tout au moins, il y a eu une enquête en cours, donc on va aller voir ensemble, on va faire une enquête si vous le voulez bien. Avant cela, merci pour vos pouces bleus, vos likes, vos partages et vos abonnements. Merci pour tout ce que vous avez fait pour la chaîne et que vous continuez de faire. Je dois un petit peu vous mettre en garde, les amis, parce qu'actuellement, c'est pas des trolls. Il y a, je dirais, des gourous qui viennent sur les chaînes. Alors hier, j'en ai intercepté une, d'accord, qui se prenait pour une gourou chrétienne. Et excusez-moi pour mes amis qui avaient la foi chrétienne, hein, ça n'a rien à voir avec vous, mais j'ai dû l'interrompre pour elle demander que vous la contactiez, d'accord? Donc soyez très prudents. D'autre part, dans certains commentaires, faites attention. Alors si le commentaire a été enlevé, c'est que c'était un petit peu compliqué. Alors soit c'est Yu-Yu qui le fait, soit c'est parce que je tombe sur swear word en anglais. Je dirais des jurons ou des insultes ou des trucs comme ça, je peux pas laisser passer les amis, sinon alors c'est pas que je pense pas comme vous, hein, je pense absolument comme vous, mais sinon on aura des problèmes vis-à-vis de Yu-Yu et ça c'est pas possible, d'accord? Alors autre part, je vous ai mis dans la communauté, notre amie Agnès Tarot reçoit un monsieur qui s'appelle un écrivain, donc réputé, Laurent Kasprowicz. Alors, il a écrit un livre chez Très Daniel, hein, des coups de fil de l'au-delà. Hein. Ce monsieur est assez cartésien, il est plutôt dans un cursus scientifique. Et, comment vous dirais-je? Et il est tombé là-dedans, bizarrement, enfin, il vous explique dans le livre, donc il a écrit beaucoup de livres. J'ai reçu le livre, puis mon mari, après, m'a dit, ben, je te le prends quand je suis au boulot entre midi et deux, comme ça, je peux le lire. Et il m'a dit, pareil, c'est un super bouquin. Donc, je vous encourage, je vous ai mis dans la communauté le livre en question, donc de Laurent Kasprowicz, et il sera avec Agnès jeudi soir à 18h je crois en live avec sur Agnès Tarot, donc sur la chaîne d'Agnès. Donc si vous voulez aller le voir, je pense que ça serait bien d'aller jeter un petit coup d'œil. Donc je vois que Agnès sort se relie à des gens d'exception, c'est fabuleux, d'accord. Autre chose, oui, j'avais encore autre chose à vous dire. J'ai eu Athénos en communication avant-hier, non, hier matin, d'accord, et il vient d'ouvrir sa maison d'édition. Alors ce type, non seulement c'est un mage au sorcier, mais c'est quelqu'un d'exceptionnel. Voilà, donc voilà, on va voir. Il m'a dit, est-ce que je voulais recevoir son livre? Alors je lui dis, mais bien sûr, tu me l'envoies. Et je vous en parlerai de vive voix quand ce sera le moment. Alors, j'ai oublié de vous dire quelque chose, je ne sais plus, mais c'est pas grave. Si ce soir, il y aura une émission sur la chaîne Chris Sinclair Show à 18h, concernant un mystère aux États-Unis, d'accord, comme un vortex, voilà, le principal, enfin, le vortex que tout le monde connaît là-bas, donc j'ai des photos, j'ai plein de choses à vous communiquer et vous dire ce qui s'y passe exactement dans une ville des États-Unis en Arizona,
D'accord? Donc, n'hésitez pas à venir à 18h sur ma chaîne. Allons-y également donc concernant ce Jeffrey, parce que voilà ce qui s'est passé. Juste après, donc, il nous aurait quitté, il était dans une prison, vous savez, c'est le Epstein. Faites attention à ce que vous marquez dans les commentaires, s'il vous plaît. Et ils se sont aperçus, donc, la fin de... comment il faut que je vous dise les choses? Moi, je sais même plus. Quand ils ont dit qu'il était plus là, en fait, qu'il avait mis fin à sa life, et ben juste après, ils ont pris des photos de lui en train de dégager sur une autre île, enfin sa première île, voilà, on va pas dire laquelle, hein, bien sûr, pour éviter d'être interdit sur cette chaîne. Mais on a trouvé des photos, il y a eu des drones qui ont pris des caméras, enfin des caméras embarquées sur des drones, où il y a des retours. Donc j'ai vu les rushs, j'ai vu les photos, etc. Et c'est vrai que c'est quand même troublant. J'avais dit sur une vidéo en anglais que pour moi, il n'avait pas mis fin à son temps ici-bas, d'accord, voilà, mais que ce n'est pas lui qui avait fait les choses, si c'était fait. Donc là, on a d'autres informations par lesquelles, en fait, il ferait trembler le monde dit global, si vous voulez, sur toutes les informations qu'il a. Et ils ont tous la trouille, donc il l'aurait fait éjecter de la prison à New York. C'est à New York qu'il était, je ne sais même plus. D'accord? Voilà. Donc, c'est pour ça que je vous en parle. Dites-moi tout ce que vous pouvez me dire. Est-ce qu'il est toujours là, d'accord, dans ce monde? Voilà, j'ai repris le Pollution, bien évidemment. Et on va voir ça ensemble. Alors, est-ce qu'il est toujours ici-bas? D'accord, contrairement à ce qu'on en a dit. Voilà, je vais enlever ce petit calepin. Voilà, dites-moi tout ce que vous pouvez me dire sur le fameux Jeffrey. .ep.stein, d'accord, voilà, et de savoir si effectivement il est toujours en vie ou s'il est entre quatre morceaux de bois où vous voulez, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Alors, dites-moi tout ce que vous pouvez me dire sur ce personnage, est-il toujours en vie ou non, voilà. Oui, j'ai marqué où est-il. Je ne sais même pas ce que j'ai mis encore dans la vignette, vous savez, de la vignette, mais c'est Jeffrey. Où es-tu? D'accord? Voilà. Et on fait attention à ce qu'on marque dans les commentaires, les amis. Alors, des fois, je suis bien d'accord avec vous, hein, vous avez raison, mais on ne peut pas laisser, vous comprenez? On ne peut pas laisser. En tout cas, merci pour votre bienveillance, parce que j'ai été informée. Alors, notre amie Agnès est aussi harcelée, hein, par les mêmes personnes, des gourous, en fait. Il y en a un actuellement qui est non seulement misogyne, il s'en prend aux femmes, voilà, il a un problème, un souci de ce côté-là. Enfin, mesdames, vous savez ce qu'on dit dans ces cas-là, on connaît tous la chanson. Donc voilà, il ne faut pas vous affoler, hein, tout simplement, on reste droit dans ses bottes, on fait notre live, voilà. Ah, mais là-dessus, la personne, elle a été signalée, hein, je l'ai signalée à YouTube directement, mais je crois savoir qui c'est, parce que le langage, c'est le langage d'une autre YouTubeuse, si vous voulez. Donc j'ai retrouvé les mêmes mots, les mêmes expressions, du « oula ». Alors Agnès, je lui ai dit aussi, elle m'a dit, ouais, ça c'est ça. Voyez-vous, donc, il faut être très, très prudent. Voilà. Alors, dites-moi, concernant ce Jeffrey, donc, c'est celui qui s'occupait des enfants, vous savez, voilà. Alors, il y a eu un changement de situation. D'accord. D'accord. Bah, écoutez, là, d'entrée de jeu, vous savez ce que c'est en train de me dire? Il y a eu un changement, comme s'il y avait eu un changement de vie, changement de nom, changement de prénom, changement, puis alors ça a été quelque chose de radical, décidé sans communication. Mais là, ça me dit, j'ai une nouvelle identité de quelqu'un qui est ennemi et qui a affaire à la justice. Donc on a changé son identité,
On a changé tout et il est parti. On lui a refait le visage aussi puisque ça sort d'entrée de jeu. Donc je peux vous annoncer qu'effectivement ce garçon n'est pas DC point D. Ce garçon n'est pas du tout DC point D. Et pour... Ah oui, d'accord. Là, ça me dit clairement que les parties adverses, enfin les parties des gens qui ont déposé des plaintes, si vous voulez, n'auront pas gain de cause de toute façon. Il a une nouvelle identité et il continue de vrai. Excusez-moi parce que là, il paraît comme un ennemi. Et ça a été établi par la juge pointiste au niveau du monde du bidon. D'accord? Donc, d'entrée de jeu, effectivement, donc les photos, vous savez, on avait les drones avec des caméras embarquées et on voyait que juste après, c'est sur l'île. Voilà, on le voit arriver, effectivement, enfin, la caméra se braque dessus et de la voiture sort le fameux Jeffrey. D'accord? Donc d'entrée de jeu, je peux vous dire oui, il est toujours vivant. Oui, il a changé d'identité. Et il a changé aussi de visage. C'est fou, hein? Alors, qu'est-ce qui se passe? Oh là 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 là. Il y a eu un coup de force, de toute façon, il n'avait pas le choix. Enfin, il n'avait pas le choix. Les gens qui ont pris la décision de le faire partir, ou de toute cette communication de fake dit news, je vous dirais, ça a été établi et décidé en haut lieu, puisque là c'est clair, mais contre l'équilibre de la jury point diction, là je peux vous annoncer que c'est problématique, ça veut dire que les gens qui se sont plaints, oula, je dirais aux gens qui ont porté plainte d'être excessivement prudents. D'accord? Je dirais aux gens qui ont porté plainte d'être excessivement prudents. Oula, parce qu'il y a beaucoup de choses derrière. Il y a des choses que je ne peux pas vous dire, les amis, parce que sans me compromettre moi-même, ayant eu affaire avec un autre individu du même acabit à Londres, mais ça j'en ai parlé en public un jour. Voilà, donc c'est du même acabit. Moi-même, j'en parle plus parce que j'ai reçu après, à la suite de ça, quelques menaces. Donc voilà, mais je vous dirais, il est protégé plein pot. Là, j'ai effectivement la protection. Bon, alors je peux vous annoncer qu'il est sous un autre nom, mais qu'il est revenu au monde du bidon. Sous un autre nom et sous un autre visage. Il apparaît ici, bien évidemment. Il y a de l'argent, c'est une évidence. Et aucune communication. D'ailleurs, il n'a pas repris contact avec ses proches, de toute façon. Mais je vois qu'il y a une forme de protection. Il a toujours des activités les mêmes qu'il avait avant. D'accord? Ça me dit là, puisque j'ai des enfants qui ressortent sur le truc, sur la table. Pardon. Excusez-moi. Donc, il faut que je fasse attention. Il n'est pas du tout du côté de New.York. Il est plutôt dans d'autres endroits, mais sous une autre face. Il a énormément d'argent et d'ailleurs beaucoup de ce monde des global lui en ont donné. D'accord? Attendez. Oh là. Donc, aucune communication par rapport à cela. D'ailleurs, pour moi, si vous voulez, même la situation dite jury.dic, elle va, ben vous allez me dire, vous êtes furieux encore contre ce que je vais vous dire, mais écoutez, je ne peux pas vous dire autre chose, les amis. Là, je peux vous dire que tout va tomber à l'eau. Tout va tomber à l'eau. Par contre, il va y avoir des gens impliqués. De toute façon, des gens ne pourront plus revenir. Alors, écoutez bien ce que je vais vous dire. Bon, c'est pas tout à fait à voir avec ça, mais c'est ça. Il va y avoir beaucoup, énormément d'institutions, d'organisations. Vous voyez ce que je veux dire? D'associations. Tout va voler en éclats, notamment à propos de l'eau, point, point, N, point, 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 U. D'accord?
On va découvrir des ma.gouille. Voilà. Excusez-moi, il fallait que je sois liée entre deux parce que j'ai eu des flashs entre-temps, etc. Là, ça va voler en éclats. Là, ça va voler véritablement en éclats et je peux vous annoncer. Ouais, mais il est bien enfermé quelque part, enfermé, pas enfermé, vous voyez ce que je dis, au contraire, mais il a une nouvelle vie, un nouveau visage, comme si vous ne pourriez pas le reconnaître personnellement. D'accord? Bon, il apparaît ici à nouveau, il y a une fin de cycle, d'accord, un nouveau monde diabolique. On est bien clair, ben, sa sainteté, oui, parce que la gourou, là, qui m'a envoyé comment on appelle ça, sur les commentaires, vous voyez, elle a envoyé des trucs où elle vous interpellait et compagnie, elle fait partie de cette secte-là, d'accord, voilà, donc ce monde diabolique, voilà, mais à mon avis, il continuera de jouir de l'existence. Alors, je vous dis pas, c'est pas ma volonté. Je vous dis ce qu'il en est, ce qui sort. Il va continuer de jouir de l'existence, mais sans que ça se sache. Et tant pis, mais je vous dis, la vérité ne sera jamais arrêtée, puisque là, c'est ce qui sort. Alors, vous allez râler. Ben oui, mais je sais bien. D'accord? Alors. Donc, c'est bien la procédure par force qui va s'arrêter. Il va récupérer de l'argent d'un projet. Alors, c'est comme s'il avait des investissements. Alors, je dirais bancaire, je dirais plus, vous savez, de ma point, ni point pulation. D'accord? Voilà. Il y a plus par rapport à ça. Il a des gens qui lui donnent de l'argent parce qu'il a des papiers. Après, quand on dit papier, je dirais plus, vous savez, soit des films ou les nouvelles technologies, maintenant on arrive à faire des tas de choses, et ben c'est ça. D'accord? Mais pour moi, si vous voulez, il sera jamais embêté, c'est clair. Et par contre, il y a des gens qui risquent d'avoir de sérieux problèmes à venir, mais pas lui. Tant pis, hein, je peux pas vous dire autre chose. Inaction de qui? Inaction au secret. Attendez, je vais prendre une autre carte. Inaction, ah ben inaction de la juste pointice. Donc concernant l'individu, il y a eu un changement radical par rapport à lui, et là ça me dit que tous les écrits qui ont été faits, enfin tout ce qui a été fait et qui a été dit, je peux vous annoncer là que ça va partir en vrille. Alors, si nous avons des amis, alors je sais qu'il y a beaucoup d'expats aux États-Unis, donc je vous embrasse très fort, nos amis expats. Et je vous dirais, si vous pouviez communiquer cette vidéo à certaines télévisions qui sont concernées par rapport à ce que je suis en train de sortir, ça serait bien que vous le fassiez, les amis. D'accord? Ça serait véritablement bien que vous le fassiez. D'accord? Juste, entre parenthèses également, toutes mes amitiés à nos amis maoris. D'accord, de ce qu'ils vivent actuellement, mais ça va partir en vrille là-bas. D'accord, donc préparez-vous. Je sais que ça va partir en vrille parce que les gens n'en peuvent plus et que ben, nos sinistros ne font pas grand-chose. Il va y avoir une tentative d'un journaliste, d'accord, voilà, de remonter le truc. Ben, on va le retrouver dans un sale état, dans un sale endroit. Le journaliste en question, je vous l'annonce. Parce qu'il sera arrêté par la force. Il a des documents et je peux vous l'annoncer ici, les amis. Ce monsieur, donc Jeffrey, pardon, comment dirais-je, il a des secrets très importants concernant la peste aux étoiles. Et bon, apparemment, ils vont le payer très cher pour qu'il ferme sa boîte à fromage. Là-dessus, il est très. Ce Jeffrey en question dont on parle est excessivement puissant, les amis. Hein. On est bien clair sur le sujet. C'est un homme très puissant. Vous direz, pouh. Alors, ici, qu'est-ce que nous avons? D'accord. Donc, il y aura un jugement, mais qui va tomber à l'eau. D'accord. Ça me dit, on va leur donner un petit peu des sous-sous à chacun d'entre eux.
pour qu'ils se retirent en silence. De toute façon, c'est assez étrange parce que même l'île, vous savez, la fameuse île où il avait un temple et compagnie, ce garçon, je vous dirais, c'est comme si elle lui était redonnée. D'accord? C'est comme s'il récupérait sa maison. Ensuite, qu'est-ce que nous avons ici? Communication. Alors, d'accord. Donc, on va entendre parler, je vous l'annonce ici, on va entendre parler que tous les projets pour le discréditer aux yeux du monde et de dire du blabla et compagnie, ça va. Donc, ça, c'est de la com et ça va être voué à l'échec. D'accord? Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Inaction. D'accord? Dans une tentative de blocage par rapport à ses avoirs et compagnie, je vous dirais, il y aura une inaction. En fait, si vous voulez, pour moi, il est à la tête pas que du nom et de ce qu'on en a dit. Excusez-moi, je repousse un peu mon truc. Il n'est pas qu'à la tête de ça, il a un empire autour de lui, mais un empire dont on ignore l'existence. Mais pour moi, il est très très haut placé dans le monde des goûts, points, rourous. Voilà, vous voyez ce que je veux dire par rapport à ça. Ensuite, pas de communication. D'accord. Alors, je vous le dis bien, je vous ai parlé d'un journaleux ou journaliste qui fera des découvertes et compagnie, et je le vois disparaître d'une façon radicale. Mais là, je vois un autre groupe qui vont tenter des investis pour un gation, avoir les mêmes problèmes et finir, parce que là, j'ai la notion de pan-pan, j'ai la notion de choses très gravissimes, je les vois en train de passer une rivière, ces journalistes. Et en arrivant de l'autre côté, il y aura plus personne. C'est ce qui m'est révélé ici. D'accord? Donc, au niveau de la presse, en fait, si vous voulez, comme vous le savez, j'ai fréquenté certains cercles de pouvoir très jeunes. J'ai commencé à les fréquenter sur Lutèce, Lyon et tout ça. Et je peux vous annoncer, si c'est pas beau du tout, hein. D'accord? Donc, voilà, c'est un monde particulier et voilà. On peut avoir des opinions, mais si on me demandait demain de me présenter, à part pour l'élection dite suprême, bien sûr, à ce moment-là, oui. Mais sinon, pour le reste, non, je ne ferai pas. Alors ici, quelque chose de soudain. D'accord, il y a pour moi, je vois comme des télévisions, des groupes de télévision disparaître par sa volonté. En fait, il fait le chaud et le froid. Je dirais que ce Geoffrey est à la tête également d'un groupe. Oh là là, comment je vais vous dire ça, moi? Très important, le mot qui n'a plus de sassade, d'accord, dans le monde du bidon. Voilà. Donc, c'est quelqu'un d'excessivement protégé. Ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons quoi? D'accord. Il s'en fout, il a aucune empathie, aucune générosité vis-à-vis des gens. Seul compte, sa volonté. Il a un côté très animal, enfin très animal, excusez-moi pour nos amis les animaux. Je dirais plus, il a un côté instinctif. D'accord? Il a un côté instinctif et plus bestial que voilà qu'autre chose et il s'en fout éperdument des gens. Donc pour moi tout est caché. Il y a des associations cachées. D'accord? Un groupe, alors pour moi ce sont des cercles de pouvoir financier et il est en dessous en train de tirer les manettes, c'est ce que ça me dit. D'accord? Ah mais c'est coton, hein? C'est coton. Alors, qu'est-ce que nous avons? Ouais. Oh là là. Oh là là. Apparemment, il va se mettre en colère. Alors, je parle de lui, hein, Jeffrey, contre certains gens responsables à travers le monde global. D'accord? Il va se mettre très en colère.
Et à un moment donné, il y a des petits comme notre Bricaton ou d'autres personnes dans La Peste aux Étoiles, comme dans le beau pays d'Espagne ou autre, je peux vous annoncer qu'ils vont être concernés et ils vont avoir intérêt de marcher droit. D'accord? Il agit au niveau international, ça, je peux vous le dire. Donc pour moi, ok, il n'est pas du tout parti. Est-ce qu'il sera arrêté? Pas du tout. Protégé, il l'est. Donc je vous ai dit, on ne va pas revenir sur le sujet. Par contre, je vais poser une question, donc d'entrée de jeu. Est-ce qu'il est toujours de ce monde? D'accord, le Jeffrey. Ok. Est-ce qu'il est toujours de ce monde? Alors, est-ce qu'il est de ce monde? Oui. Oui. Alors, comme ici, vous voyez, donc il y aura une grosse difficulté sur le plan judiciaire en ce qui le concerne. Il y aura peut-être des lumières ou des choses qu'on entendra en parler, changements. Et là, on le voit bien. Donc, il y a une femme, mais qui s'en sortira après. Qui a été, voilà, son ex-femme, je crois, voilà. Et là, je peux vous annoncer des tractations financières actuellement. Les pensées sont très équilibrées. Donc, pour moi, c'est un garçon qui sait où il va. D'accord? Très, très bien. Il dirige le monde, enfin, il fait partie des gens qui dirigent le monde global. Qui dirige le monde global. Est-ce qu'il fait partie des gens? Alors non, il ne les dirige pas, mais il y a une certitude par rapport à un travail. Donc il est bien au-dessus. Enfin, comment vous dirais-je? Il ne les dirige pas, mais par le dessous, vous voyez, par-dessous. Effectivement, il y a comme un travail, une lumière, ouais, par-dessous. Mais en au-dessus, non. Mais il y a une certitude de quelque chose qui se magouille par-dessous. Et concernant, toujours pareil, les enfants. Voilà les amis ce qu'on pouvait dire concernant ce Jeffrey, donc cette enquête, où est-il? D'accord? Voilà, donc c'est, ben voyez, comme quoi cette émission, enfin que j'ai vue donc dans plusieurs, sur plusieurs chaînes américaines, ils ont raison sur le sujet. Je vous fais de gros bisous tendres et on se retrouve bien sûr ce soir à 18h sur ma chaîne Chris Sinclair Show, sans aucun problème. Et n'oubliez pas jeudi soir à 18h. Donc, notre belle Agnès Tarot qui fait une belle émission avec ce personnage extraordinaire, d'accord, qui a écrit son dernier livre, donc que je vous conseille à voir. Donc, c'est tout dans la communauté de toute façon. Gros bisous tendres, les amis, à plus, bye bye! Thank you.